Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme promis, on se retrouve pour un haul de chez Shein. J'ai reçu le colis il y a peut-être une semaine et j'ai juste ouvert pour savoir si c'était bien le colis de chez Shein, mais du coup j'ai pas ouvert les paquets. Tout est encore emballé, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve pour la suite. Donc du coup voilà, j'ai reçu mon colis dans ce paquet qui vient de chez DHL. Je sais pas pourquoi, d'habitude je reçois pas mon colis dans ce genre de paquet, enfin bref, on s'en fiche. Donc j'ai commandé des robes, j'ai commandé des maillots de bain aussi pour voir. J'ai déjà commandé des maillots de bain de chez eux. La qualité est plutôt pas mal, mais des fois au niveau des tailles c'est un peu compliqué. Des fois c'est trop petit, des fois c'est trop grand. Donc voilà, je vous dirai bien à chaque fois les tailles que j'ai prises. Donc on va commencer avec donc le premier maillot de bain que je vois. Donc celui-là c'est un maillot de bain taille M. Donc il se présente dans des petits paquets comme ceci. Non mais regardez, c'est un taille M et je sais déjà que le haut va être trop petit pour moi, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on dirait que, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc vous voyez la taille M là, elle est trop petite. Bon par contre vous voyez la culotte, elle est plutôt pas mal. Parce que vous pouvez la resserrer ici avec les nœuds. Donc vous voyez la culotte elle mirait, ça c'est sûr. Mais le haut je suis presque sûre qu'il va être trop petit. Donc je vais bien voir, peut-être que ça va m'aller au final. Mais voilà, je trouve que déjà le haut pour un taille M il fait quand même assez petit. Toujours taille M et dans ce petit paquet. Alors il semble que celui-ci est un... je vous mettrai ici l'image de la fille qui le porte parce que je me vois pas vous montrer les maillots de bain sur YouTube. Je suis un petit peu voilà, pudique par rapport à ça. Donc, du coup, le maillot de bain se présente comme ceci. Alors, en fait, là, il est un peu bizarre, mais il me semble que j'avais vu sur la fille. Les deux lanières, en fait, elles se mettent comme ça sur le côté. Et ici, en fait enfin, je vais vous montrer la fille qui le porte. Ça sera plus simple pour vous de comprendre. Mais franchement, il est très très beau. La qualité, elle est pas mal. Taille M. Vous pouvez retirer ici la coque. Sinon, ouais, franchement, il est très très beau. Et la taille m'a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, j'aime beaucoup ce maillot de bain. Alors, ensuite, je vois... Ah oui, voilà, ça, c'est des pinces. Que je voulais prendre pour mes cheveux et elles sont trop trop belles. C'est vrai que j'ai les cheveux très très longs comme vous pouvez le voir et j'ai jamais réussi à trouver des grosses pinces comme ça et regardez, elles sont vraiment super jolies. Il y en a une beige et une marron et je pense que là pour le coup elles vont vraiment attraper tous mes cheveux. Donc voilà, je crois qu'elles coûtaient 2$, un truc dans le genre. Ensuite je vois un autre maillot de bain encore, donc toujours taille M. Non, le haut est toujours... Ah, quoique, le haut m'a l'air un peu plus grand, je sais pas. Donc il se présente comme ceci, je vous mettrai la photo de la fille qui le porte juste ici. Il est très mignon avec des petits... Oups, oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va le truc. Il glisse. Ah, il n'y a pas de nœud en fait. Ah non, le nœud est parti. Oh non non non, oh, alors ça c'est le truc, vous voyez le nœud il est à l'intérieur, il est plus là, ça c'est vraiment pas cool. Oh, comment on fait? Oh, ça c'est vraiment pas facile hein. Bon bah faites attention du coup si vous le recevez et qu'il est pas... Bon bref, je vais vous le montrer comme ça. Donc la culotte se présente comme ceci avec des petits froufrous multicolores ici. La culotte me paraît un peu petite quand même mais je sais pas, ça va être un peu genre un string. Et le haut, pareil, il me paraît petit le haut, mais voilà, avoir porté, je verrai bien. Je pense que j'ai fini avec les maillots de bain, on va passer aux robes. Si je prends taille S, j'ai peur que ce soit trop petit, donc voilà, je préfère prendre taille M. Et du coup, c'est une petite robe blanche comme ceci, avec des détails jaunes, c'est des petites fleurs. Je trouve cette robe très mignonne pour l'été, je pense que... Les manches sont bouffantes avec une ceinture, je verrai bien si je la porte avec ou sans ceinture. Je vous montrerai du coup la robe portée dans le miroir. Voici la robe blanche avec les petites fleurs ici vertes et jaunes portées. Donc du coup moi je l'ai portée avec une ceinture jaune mais vous pouvez très bien la porter avec une toute autre ceinture noire ou blanc. Je les ai mises donc avec ces chaussures là.
J'aime beaucoup, elle est super mignonne, elle n'est pas trop courte donc ça j'aime beaucoup. J'aime bien le détail des manches ici un petit peu bouffantes, le col est très bien. Elle est un petit peu transparente, là j'ai un soutien-gorge bleu clair, il se voit un peu à travers donc je conseille de mettre voilà, des sous-vêtements blancs. Mais sinon la robe est très jolie et je vais vous la montrer sans la ceinture. Donc là voilà, portée sans ceinture, donc vous voyez elle s'arrête juste au-dessus du genou si je me mets bien droite. Donc voilà, elle est très très jolie, elle est aussi super mignonne comme ça. Alors ensuite, cette robe c'est un dupe de chez Zara, donc toujours taille M. Je me souviens, je l'avais vue sur Zara et elle coûtait je crois 69$. J'étais là, j'ai pas trop envie de mettre 69$ dans une robe. Et du coup, la robe se présente comme ceci. Donc c'est un motif un peu qui ressemble à Versace, j'ai l'impression, et on la voit beaucoup sur Instagram. Donc vous avez une ceinture ici pour donc la cintrer. Je sais pas si il y a un passant. Non mais regardez ça par contre. Le passant il est plus fin qu'un fil. Donc j'espère que ça va pas se casser au fil du temps. Mais du coup voilà, la matière elle fait quand même un peu cheap. À voir. Voilà cette robe portée. Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si je l'aime bien ou pas. Elle est quand même assez courte. Mais par contre, c'est vraiment le dupe parfait de la robe de chez Zara. Mais voilà, sinon, elle fait quand même cheap au niveau de la qualité de la robe. On dirait vraiment une robe qui vient de chez Versace. Par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je les ai mises avec des chaussures dorées comme ça. Je trouve que par contre, ça fait l'ensemble est très joli. J'aime bien, mais sans plus, surtout par rapport à la qualité en fait de la robe. Alors ensuite, toujours une robe. Donc celle-ci, j'ai pris taille S parce que j'avais peur que si je prends taille M, elle soit trop grande. Mais du coup voilà, alors ça c'est mon style hein. Soit on aime soit on n'aime pas, mais j'avais pensé à prendre ce genre de robe pour pouvoir la cintrer ici avec une ceinture blanche. Je vous la montrerai portée, je sais pas si au final je vais bien l'aimer. Ça fait un peu petite maison dans la prairie, mais pourquoi pas. Alors voici la longue robe portée. À la caméra elle rend pas très bien, mais en vrai elle est super mignonne, j'aime beaucoup. C'est pas la robe que je mettrai voilà, tous les jours parce qu'elle est clairement longue et voilà. Mais pour une robe longue, elle est très mignonne. Je l'ai voilà, ceinturée ici à la taille avec cette ceinture. Je l'aurais très bien ceinturée aussi avec une ceinture blanche. Mais voilà, là je l'ai mis comme ça pour rappeler les chaussures noires que j'ai mis. Mais sinon, voilà, le dos il est comme ça. Elle est mignonne. Elle est franchement très mignonne. Voilà, des fois si on a envie. Si on va, je sais pas, à l'église ou quoi. Voilà, c'est le genre de robe qu'il faut porter. Un petit peu plus longue que les robes de soirée. Voilà, un peu plus courte. Donc voilà, elle est franchement vraiment très très mignonne. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais en fait, j'aime bien parce qu'il y a plusieurs sortes de matières, de couleurs dans la robe. Du coup, là, je vois une autre robe. Cette fois-ci, taille M. Alors, comment est celle-ci? Ah oui, je me souviens. En fait, elle se resserre ici à la taille avec un nœud. Voilà, on la serre comme ça. Et elle est plutôt pas mal. J'aime bien. Elle est beige, de couleur beige-orange, je dirais. Les manches. Ah, j'aime pas trop quand les manches elles sont serrées comme ça. Souvent, ça me coupe un peu la circulation du sang. Et la dernière robe portée. Et finalement, elle est vraiment super jolie. J'aime bien le fait qu'elle se serre ici à la taille avec le nœud. J'aime bien, on dirait une robe pour aller à la savane. Les détails de la robe sont très très jolis. Les petites poches ici, les manches qui. Et finalement, les manches, elles sont pas trop. L'élastique, il serre pas trop le bras. Donc voilà, j'aime beaucoup la robe et je les ai mises avec voilà, des talons noirs comme ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très mignonne. Et la taille M et le pile poil. Ensuite, j'avais pris pour la plage aussi. Cette fois-ci une robe comme ceci. Ceci je suis pas trop fan, j'aime pas trop la couleur, mais bon pourquoi pas. Pareil, j'avais pris taille M mais j'aurais dû prendre taille S parce qu'elle est vraiment très très grande. Et ensuite pour finir, j'avais pris un autre maillot de bain comme ceci. Une pièce, mais pareil, il me va un peu trop grand et il est un peu trop décolleté parce que comme vous voyez, ça c'est le décolleté.
dans le dos, et ça c'est le décolleté dans sur le devant, et il est très décolleté et il est hyper grand, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Donc voilà, il me semble que je vous ai tout montré. Si j'ai oublié des choses, et ben je vous le mettrai sur mon Instagram que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça me fait toujours plaisir. J'espère en tout cas que ce petit haul Shein vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, et également de commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.